Manchester United. Dans cet épisode-là, on joue avec Manchester United et la BPR commence. Alors, c'est ça. Alors, je vais vous faire un résumé de l'épisode passé. Dans l'épisode passé, on a acheté Cristiano Ronaldo. On a aussi acheté Zlatan. Non, on avait déjà Zlatan, laisse faire. On a Mkhitaryan, Pogba, Mata et Ral, ils n'ont pas beaucoup de forme. Bailey, Smalling, Shaw. On a acheté Bellerin et on a acheté Adrian. On a Deja, mais Deja est blessé, alors je peux pas le faire jouer en ce moment. On a acheté aussi Boateng, mais Boateng est blessé. Alors c'est ça. Excusez-moi. Bonjour. Ok, c'est bon, c'est bon. Dans ma tête, ça est fermé. Alors, c'est bon. On continue. Alors, c'est ça. Alors, pour ce match-là, vu que mes joueurs, ils sont pas en forme. Oups, le son est trop fort. Vous m'entendez deux fois. Alors, Fellaini. Mais, de toute façon, ils vont récupérer leur forme. Alors, c'est correct. C'est ça. Alors, on va... nous, on va aller ici... Et attends, on va entraîner Marcus Rashford. Parce que je veux l'entraîner, comme ça, genre, quand Zlatan va prendre sa retraite, on aura Rashford pour jouer notre striker. Et ça, on a besoin d'acheter un striker et un left back, parce que striker pour quand Zlatan va arrêter. Et un left back pour remplacer Shaw, même si Shaw est très bon, quand même. Alors, c'est ça, là, oh, je vais jouer le premier match parce que c'est le premier match de la BPL puis je veux jouer. Alors, un 9 pour Darmian. Pour Darmian, je vais demander 23 000 parce que quand même, on a déjà Bellerin et Valencia. Alors, c'est correct. S'il part. Pour Bournemouth, je vais mettre mes meilleurs joueurs parce que c'est le premier match de la BPL. Alors, je veux qu'on commence bien la saison. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires quel joueur vous voulez que j'achète. Et je vais voir qu'est-ce que je peux acheter. Qui est-ce que je peux acheter. Et aussi, j'aimerais ça pouvoir acheter Dimitri Payet. Parce que je l'aime beaucoup. J'aime comment il joue. Alors, le premier match de la BPL contre Bournemouth. Alors c'est ça, on va mettre nos meilleurs. Paul Pogba. Mata et Herrera. Boateng est encore blessé pour combien de temps? Ah, je peux pas le voir. Non, je peux pas le voir. Et Deja aussi est blessé. Alors pour le moment, ils se font remplacer par Adrian et Bailey. Alors, let's go. On joue contre Bournemouth, le premier match de la BPL. Let's go. Ça, si vous voulez que j'achète des joueurs ou des choses comme ça, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Alors, nous on va jouer à deux. C'est qui? On joue à quel stade? Attends, je veux juste voir pour pouvoir mettre les chandails, même si ça n'a pas vraiment l'importance. Je crois que... Ah oui, on est à l'extérieur, alors je vais mettre mon extérieur et eux sont à domicile. On joue à leur stade, à Vitality Stadium. Let's go. Allez, Manu. Let's go. Allez, allez, Manchester United. Manu. 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 Allez, allez. Let's go. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oh, c'est de l'autre côté. Oups. Oui, Ronaldo. Oui, Ronaldo. Oui, Ronaldo. Oui, Ronaldo. Accélère, Ronaldo. Pfff. Oups. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh, je vais le refaire. Ça l'entraîne. Maintenant, je sais que c'est par là. Houdon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé nul.
Et voilà. Bien joué. Le premier match de la BPL commence contre Bournemouth. Et notre équipe. J'aime comment c'est fait, genre les choses en bas. C'est trop nice, c'est la première fois que je joue un match de BPL, enfin c'est la première fois que je le vois. Oh, c'est trop cool! Burke, Smith, Francis, Wilson, Daniels, Archer, Fraser, Sermon, Wilshere. Ah, oh, c'est vrai, Jack Wilshere. Alors, on commence déjà avec une faute dans le match. Allez, oui, Bailey la tête, c'est bon. Mkhitaryan. Les bras. Ronaldo. Oui, Ronaldo. Oh mon dieu, Ronaldo, comment? C'est bon, une faute pour nous. Puis toutes les, je vais pas jouer tous les matchs, c'est juste que là je le joue vu que c'est le premier match, mais je vais jouer les matchs importants. Mais ça c'est pas vraiment un match important parce que c'est Bournemouth, mais quand même, je vais quand même le jouer vu que c'est le premier match. Pogba, Zlatan, tire! Oh, presque un but Zlatan. Allez, on récupère le ballon. On s'approche de la zone de vérité. Non, non, ça ne passe pas. Interviendra. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Où ils attendent? Où ils attendent? Herrera, oh. Excellent tacle qui nous permet de récupérer cette balle. Belly, oui de la tête, mais qui t'a rien. Qui tourne? Oh mon dieu! C'est bien fait! Zlatan! Ah oui, c'est le jeu! Herrera! Oh! C'est un goal kick! Bien essayé de la tête! Ok, merci! Mata, oui Mata! Bien tourné! Oui Mata! Sans pointe! Oh, corner! C'est bon, connu. Oh bah vas-y Zlatan. Ah non, ça c'est Smalling, c'est pas grave. Oh oui Zlatan. Et Zlatan marque de la tête, je l'avais dit, on vise Zlatan. Et qu'est-ce qui se passe? Zlatan marque de la tête, sa force, vu qu'il est grand. Et voilà. 1-0 Manchester United au premier match de la BPL. Zlatan marque dans son premier match à vie en BPL. Non. Oui. Attends. Là j'essaie de me souvenir s'il a déjà joué à BPL dans sa vie. Je sais qu'il a joué à Barça, Ajax, AC Milan, Paris. Non, je crois que c'est son premier match à vie en BPL. Oui, récupère. Non! Oh yes! Crossbar sauvé par le poteau, comme on pourrait dire. Oui, Pogba. Zlatan. Mkhitaryan. Zlatan. Oui. Ronaldo. Ronaldo. Ok. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oui, Ronaldo. Ronaldo! Oh, presque un but de Ronaldo. Ballon qui est sorti en touche. Une touche. Ok, une touche pour nous. Ça c'est pas rendu. Mais on l'a récupéré? Oui, Mata. Oui, Mata. Ibra! Oh, tu sais, je perds la tête par Smith vers Surman. Surman vers Fraser, mais c'est repéré par Ronaldo. Et Ronaldo est blessé? Non, Cristiano Ronaldo est blessé après un tag de Fraser. Et Memphis Depay va rentrer pour le remplacer. Ça commence bien, premier match à vie de BPL
que je coach et Ronaldo se blesse au premier match. J'espère que ça soit pas une blessure pour longtemps. Parce que c'est pas un joueur qu'on veut perdre. Mkhitaryan. Oh, presque un but de la rentrée du jeu de Memphis Depay. Ronaldo sort et Memphis Depay rentre. Oh, allez. Allez, oui, c'est bon, j'y arrive plus. Pogba, Pogba, Mata, Mata Zlatan, Mata, Pogba, oui, Pogba, allez, Pogba, oui, Pogba, oui, Pogba, et le but, Paul Pogba, qui rajoute un but, c'est 2-0 pour Manchester United, juste avant la mi-temps, et oui, Paul Pogba. Et si vous croyez que j'ai mis la difficulté pas loin, non, j'ai quand même eu la difficulté en pro, puis vu que je suis toujours habitué à jouer en ligne, c'est tough pro pour moi en saison joueur solo. Alors, c'est ça. C'est la mi-temps du premier match et c'est 2-0 Manchester United. Bellerin. Bellerin. Alors ça, à date... de nos transferts, on a fait 4 achats, 5 achats et 2 des 5, c'est des joueurs qui étaient à Manchester United avant qui revient à Manchester United. Ronaldo qui a commencé à Sporting, après est allé à Manchester United, après à Real et de retour à Manchester United. Et Pogba qui a fait Manchester United, Juventus, Manchester United. Oui, Memphis Depay. Memphis Depay. Depay. Et le but Depay. Quel but de Memphis. C'est 3-0 Manchester United contre Bournemouth au premier match de la BPL. Et voilà. Si vous aimez la vidéo et le mode carrière, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, en parler à vos amis et vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas un match très important ça, mais c'est juste vu que c'est le premier match de la BPL, je veux jouer. Mais je vais pas jouer tous les matchs, la plupart des matchs je vais les simuler, c'est juste quand je vais jouer contre les équipes importantes, mais les grosses équipes. Oui, Pogba. Allez, Pogba. Oh, oui, récupère. Non. Ah, peut-être une bonne occasion. Non. Oui, oh yes, c'est bon. Connu. Premier vraie action de la part de Bournemouth. Et c'est un autre connu. Sorti de la tête par Smalling. Oh yes, quel arrêt d'Adrian. C'est encore sorti. Inconnu, alors c'est leur troisième connu en action. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai? Attention à la frappe. Oh, je croyais que c'était un but, c'est bon. Il n'y a pas de but qui est rentré. Un arrêt d'Adrian. Oui, Herrera. Mata. Mata Pogba. Pogba Mkhitaryan. Mkhitaryan. Herrera. Ronaldo. Luchao. Et oui, Boateng est arrivé à Manchester United à l'âge de 20 ans pour un contrat de 85 millions de dollars. Pogba. Oh, mais là, Boateng est blessé. Alors, s'est blessé à l'entraînement. Bailly de la tête. Ah, oh. Depay. Oui, Depay. Herrera. Depay. Pour Herrera encore. Pogba. Depuis, tire. Oh, quel arrêt de Francis. C'est Francis ou c'est Boruc? Parce que le gardien, c'est d'habitude c'est Boruc, mais là, il tic. Ah oh, oui, c'est sûr, c'est Boruc. Alors, c'est 50-50 de possession, mais c'est 3-0 Manchester United. C'est beau, Bailly, bien référé par Bailly.
Dan Gosling. On s'approche du but. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Et oui, Pogba. Ah, juste une faute, mais ok. Marc Pogba. Allez, dans le couloir. Attention à la retournée. Non, non. Le ballon dangereux. C'est bon, il a pris ma veste touche. C'était centre maintenant. Oh yes, c'est bon, juste à côté du milieu raté. Vers Pogba. Allez, Pogba de la tête. Ok, il a perdu le ballon. Il n'a pas réussi à la récupérer de la tête. Attention, ils sont là. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Vous pouvez laisser un like et en parler à vos amis qui ne sont pas déjà abonnés pour qu'ils viennent s'abonner si c'est leur style de vidéo. J'ai enregistré un challenge. Il faut juste que je fasse le montage et qu'après je l'upload. C'est bon, allez. Attention. Tu l'as vu? Oh non, tu m'as pas, c'est trop loin. Ok, c'est allez, trop loin. J'aurais pas dû faire ça. Une balle perdue. Mais attention, une balle reprise maintenant. Ok, peut-être pas. C'est bon, c'est la 90e minute et c'est 3-0. 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que c'est assez pour un quatrième but de Manchester United? Pogba, Mkhitaryan. Mkhitaryan, Zlatan. Ok. Et voilà, c'est la fin du match. 3-0. On a gagné notre premier match en BPL. Ça commence bien. C'est toujours bien une victoire. Un match, une victoire. C'est toujours bien commencer la saison avec une victoire. Jack Wilshere, j'ai pas de l'air trop content de son transfert. Et voilà. On y va. Ok, il y a eu un autre match. C'était Arsenal contre Liverpool. Et ça a fini 1-1. Alors, si Manchester n'a pas gagné ou d'autres équipes comme ça, on est peut-être dans les premières places. Alors, joueur blessé. Ronaldo est blessé pour 8 semaines. Oh, Ronaldo est blessé pour 8 semaines. Pas très bien, il va sûrement manquer 8 matchs. 8 matchs sans Ronaldo. Oh mon dieu. Ok, c'est ça, on est première place grâce à notre 3-0. Stoke City sur deuxième, Crystal Palace 3e. Everton 4e, Leicester 5e et Man City se retrouve en 9e place. Chelsea en 14e place, Tottenham en 16e place et la dernière place c'est Bournemouth parce qu'on les a battus 3-0. Alors, Béchard gagne son 2e match. Boateng est très attendu pour ses débuts. Est-ce qu'il est blessé encore? Eh oui, il est encore blessé. Alors, ils vont attendre encore un peu plus. Ronaldo est blessé. Alors, je vais laisser une chance. Ah non, c'est vrai, j'ai plus Martial. ADP. Young. Rashford. Rashford va jouer. Mais attends, ça dépasse quand qu'il joue le prochain match. Le prochain match, c'est contre. J'ai pas vu. Ok, une proposition de se transfert pour Young. Je vais demander 14 millions. Ok, on va aller voir si on peut aller acheter. Parce que j'ai eu une demande hier de Renato Sanchez. Alors, on va aller voir si on peut aller acheter Renato Sanchez. Alors, ici. Gain, dépense, gain, dépense, gain. Ok, bénéfice, transaction. Ah, c'est bien. Oh, ok. Là, ça marche vraiment comme ça. Genre, quand tu t'en vas à quelque part, quand tu joues à l'extérieur, ils te mettent le coût de déplacement. Masse salariale, abonnement. Ah, c'est nice. Budget. Ok.
Je veux au moins 40 millions. Ça devrait être bon comme ça. Et voilà, comme ça c'est bon. Comme ça on peut aller acheter le petit Renato. Non mais je crois que je vais aller voir Payette, il vaut combien avant. Parce que Renato, j'ai dit que j'allais l'acheter en janvier dans le prochain transfert. Dimitri Payet. 40 millions. Mais si je pourrais l'échanger contre... Comme qui je pourrais l'échanger? Je l'aurais échangé contre Rooney, mais quelqu'un m'a demandé de garder Rooney parce que c'était son joueur. On peut l'offrir. Non, pas Fellaini. En plus, non, on va juste pas voir. On va peut-être lui acheter en janvier, puis là on achète Renato Sanchez. Parce que Sanchez est jeune, puis on peut l'améliorer. Renato Sanchez, 14 millions. On va offrir 18 millions. Et voilà. Aussi, je voudrais aller pour peut-être en left back. J'allais peut-être dire là-bas, mais peut-être Alba. Jordi Alba, 39 000. Alors, Alba plus. Je donnerais Young plus 30 millions. Et sinon, un striker. Comme striker, j'irais peut-être même avec Lukaku. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires aussi. J'ai donné plusieurs offres, mais je vais pas. Genre, je devrais en accepter juste une d'entre eux. Il est trop cher. Peut-être Moussa de Leicester, parce que, ouais. Moussa, il est vraiment bon sur le jeu. Puis il a juste 23 ans. Alors, il est arrivé pour 17 millions, alors je vais offrir 19 millions. Alors, pour le moment, c'est ça que je vais offrir. On va aller au prochain. Si vous avez des joueurs que vous voulez que j'achète, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et ça va me faire un plaisir de les acheter. Ok, on joue contre Stompton, fait que je vais pas mettre mes gros joueurs. 20 millions pour Phil Jones. Alors, j'ai Boateng, j'ai Bailey, j'ai Smalling. Ouais, je vais accepter parce que aussi j'ai d'autres joueurs qui peuvent jouer défense centrale. Alors, joueur vendu. Matteo Darmian, ok. C'est bon. Ça, on joue contre Southampton, donc je vais pas mettre mes gros joueurs. Offre de transfert pour Chris Smalling, oublie ça. Prochain, c'est pour Fellaini. Ça, 20 millions. C'est quand même le joueur le plus physique du jeu. Ok, on va aller ici contre Southampton. Mais non, on a trois affaires encore. Transfert acheté. Proposition de transfert, non. Transfert acheté, non. Ok, les deux, c'est à cause que le joueur vient d'arriver. C'est Renato Sanchez. Renato Sanchez, je demande plus. Ok, juste ôter ça. Et Renato Sanchez pour Fellaini. Je suis pas sûr qu'ils vont accepter là, mais bon, il faut essayer. Bonjour. Ah, Maisie, vous pouvez aller voir sa chaîne. C'est une très bonne chaîne YouTube. Maisie, allez voir. Ça s'écrit MYZEE. Il fait plein de vidéos de gaming aussi. Il est super bon pour faire des vidéos. C'est ça. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Ça se peut même qu'on fasse des vidéos ensemble un jour. Peut-être pas bientôt, bientôt, mais un jour peut-être. Quand. Ouais. Alors là, on joue contre Southampton. On va simuler ce match-là parce que c'est pas une très bonne équipe. On va mettre nos joueurs aussi, hein. Un peu moins bon. On va laisser Rashford jouer parce qu'il mérite. Le petit Rashford.
Ok, ça fait 2-2, c'est... je m'attendais pas à ça. Moi aussi, moi aussi. Alors, si ça allait vraiment voir sa chaîne, ça prend du temps, mais ça vaut le temps qu'il faut parce qu'il fait vraiment des bonnes vidéos. Pour Félénée, 11 millions. Non, je te dis non. Je veux pas 11 millions, je voudrais 20 millions. Mais tu veux pas, fuck, va-t'en. Petite équipe de caca. Pour Jess Lingard. 20 millions. Ok, alors, bienvenue aux personnes qui regardent le live. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez laisser un like, un dislike, mais écrivez dans les commentaires pourquoi, pour que je puisse m'améliorer et faire plus de vidéos pour vous. Là, c'est un match de EFL. Alors, je vais juste mettre mes gros joueurs, mais je vais simuler aussi quand même, parce que cette équipe-là est vraiment nulle. Maman, c'est je live. Ouais, je sais. Ok, c'est bon. Pourquoi ils ont... c'est vraiment bizarre. Ils m'ont offert 15 600... c'est dommage, genre pile. 15 675 247. Ouais, je vais accepter. C'est bon. Bye, Jesse Lingard. Va-t'en. T'es nul. Sadiq El Fitouri. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui? Ok, Ibra. Ronaldo est blessé. Deja est blessé. Et Boateng est blessé. Ça va bien. On y va pour ce match. Le compte qui? C'est qui cette équipe-là? C'est Doncaster. Ok. Ils ont fait 0 contre Sheffield. Wed. Eux sont en genre EFL Championship 3. Là. Et voilà, 3-0. Un but de Mata, un but de Pogba et un but de Ibra. C'est bon. Alors, dans le classement de la PL, on est 4e. C'est pas si pire, pas si pire. Mais on pourrait être mieux. Là, je vais entraîner Rashford. Mon petit Rush. Marcus Rashford. Si Maisy, tu pourrais faire un shout-out de ma chaîne sur ta chaîne, ce serait vraiment bien. Ce serait très gentil. Proposition de transfert pour Ander Herrera. Ils veulent 24 millions. Moi, je veux 30 millions. Quand même mon joueur, hein, fait que tu vas, je vais décider qu'est-ce que je veux. Fin des pourparlers sur le transfert, ok. Match décalé, ok. Alors, le prochain match c'est contre Hull City. Alors, ça aussi, je vais le simuler parce que c'est pas une très bonne équipe. Ok, va-t'en, Liverpool, je veux pas de vous. Je veux le garder. Herrera, c'est un joueur titulaire. Alors, on joue contre Hull City. On risque de gagner ce match-là, là. On est, ben, en tout cas, on est capable de gagner ce match-là. Ok. Allons-y, là, je vais laisser le match jouer en simulant. C'est... ok. Toujours pas de fait saillant. Toujours pas de fait saillant. Toujours pas de fait saillant. Et voilà, enfin, il était temps. Un carton jaune pour Mason dans leur style. Toujours pas d'autre. Ok, Rashford rentre pour Mkhitaryan. Miller pour Lucas. Coulon, allez, quelqu'un a bu. Allez, non. Non, ça a fini 0-0. On a fait 0-0 contre Hull City. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il faut rester un peu motivé. Allez. Ça c'est une nouvelle série que j'ai commencé. Mon carrière mode avec Manchester United. Je vais faire plusieurs épisodes de ça. Alors, si vous aimez ça, revenez souvent et continuez à le regarder. Ça va vraiment être le fun, je crois. On a des offres de transfert encore pour Herrera. Écoutez, tout le monde veut Herrera. Je vous ai dit que il est titulaire. Oh, Juan Mata pour 36 millions. 42 millions, t'as tout ça, toi, dans ton portefeuille. Moi non, en tout cas, là, mais... ouais.
c'était ça, tant mieux pour toi parce que t'es riche. Proposition 3, ok, c'est bon. Ils veulent pas le bouton le matin. Si vous aimez ça, vous pouvez mettre un like sur la vidéo pour que je sache que vous aimez ça et que je fasse plus de vidéos. Ah, c'est bon, Rashford a monté jusqu'à 78. On a maintenant un striker 78 de plus. Ok. Les deux meilleurs transferts de l'été, c'est nous, c'est Manchester United. Pour Ronaldo et Boateng. Encore Herrera. Je vous ai dit que je veux garder Herrera. Mon petit Herrera. Ok. Attends, est-ce que ça a dit que je viens de vendre Mata? Est-ce que j'ai bien lu? Dis-moi que j'ai pas bien lu. Oh mon dieu! Ils ont acheté Mata pour 42 millions. J'aurais peut-être dû mettre plus. Alors là, il faut que je m'achète un milieu. Yeah! Dimitri Payet. Oui, Payet. Oui, we got Payet. Non, je vais la chanter ici, on l'a. Ok. 40 millions. Entre 50 millions et 59. Juste pour te faire plaisir, Payet, je vais te mettre 60 millions. Parce que j'adore Payet. Accepté, alors 4 non, je vais pas en mettre trop non plus. Et voilà, let's go. Allez, viens, Payet, viens à Manchester United. Genre, tu veux passer de West Ham à Manchester United, c'est un gros changement. Allez, dis-moi ça, c'est accepté. Genre, puis là, il veut venir dans l'équipe tout de suite. Et oui, we've got Payet, Dimitri Payet. I don't think you understand. He's super savage man. He's better than Zidane. We've got Dimitri Payet. Et voilà. Payet. Va-t'en, Carrick. T'es qui? Yes, Payet. Et en plus, De Gea est plus blessé. Ça va bien. Ryan Johnston. Alors, j'attends juste que ça finisse. Hein. 354 total du jour. Alors, on va voir qui a acheté qui. Alors, Liverpool a acheté Strootman et Carvalho, mais Kane est parti. Oh, Manchester City ont acheté Mertens. Nous, on a laissé partir Jones, Darmian, Romero, Schneiderlin et Martial. Mais on a eu Payet, Boateng, Bellerin, Ronaldo, Adrian. Alors je crois que c'est un peu une amélioration. Middlesbrough, ils ont eu Ray, Anor, Narsing et Geddos. Southampton, Sigurdsson, Grenier, Sahin, Stansu. Ils ont laissé partir. Ok, Tottenham ont eu Kagawa, Kan, Germain, Romero et Roland. C'est pas mal ça. Oh! West Ham ont eu Cuadrado. Mais on laissait partir Payet. Et Arsenal ont eu Darmian et on laissait partir Bellerin et Özil. Proposition de transfert. Oh, oh non. C'est assez pour le transfert. Là j'ai assez laissé partir des gens. Alors, Leicester vient d'avoir Shawcross. C'est bien. Bon, on va améliorer. Ah non, on peut pas. Ok.
Oh, Béchard est très demandé. Oh, oh, le Manchester Derby. Oh, c'est gros ça. Là, c'est gros. Oh, la Chine veut que je sois leur manager. Désolé, la Chine, mais je crois qu'il y aura des meilleures équipes qui vont demander. Alors, on joue contre Manchester. Est-ce que je le joue dans cet épisode-là ou je le joue dans le prochain épisode? Je vais la jouer dans cet épisode-là, juste pour vous. Et après ce match-là, on va finir le live. Yes, c'est à Old Trafford, c'est à notre stade. Alors, le Manchester Derby est ici. Et à Old Trafford, à notre stade. Alors, c'est la dernière affaire que je vais faire dans ce live. C'est le match contre Manchester City. Le plus gros match de la saison, on pourrait dire, parce que c'est le Manchester Derby. Papa. Eh, merde. Oh, c'était quoi ça? Oups. Ok. Old Trafford. Oh, je veux juste voir ça, c'est trop beau. Ok. L'arbitre Mike Jones. Con Aguero. Et voilà, Manchester United contre Manchester City. Ça commence maintenant. C'est le premier match pour Payet dans l'uniforme de Manchester United. Et... Oui, allez, sors là. C'est bon. C'est bon. Là, ça va être difficile comme match. Et le premier match de la BPL de cette saison de DGA parce qu'il était blessé pour le match d'avant. Oh, voilà, ça commence. 1-0 Manchester City. Ça commence pas très bien. Ouais, non. Vraiment pas. Gundogan a marqué. Allez, Bellerin. Allez, Bellerin. Allez, Bellerin. Allez, Bellerin. Run. Run. Zlatan. Zlatan, c'est toi ça. Oui, Zlatan. Zlatan. Oh, c'est un connu. Ouais, ça va vraiment être un match difficile. Hein. Déjà 1-0 pour Manchester City. Smalling. Oh. Herrera. Oh. Sur cette interception. Oui. Zlatan. Zlatan. Tranchante, hein, c'est une récupération. Allez, on redouble les passes. Gundogan. Il choisit de passer par Kevin De Bruyne. Allez. KDB with the ball. Bill. Oui, Memphis de paix. De paille. Vous avez vu que je dis de paix ou de paille? C'est la question du jour, dites-le-moi dans les commentaires, parce que ça, je sais pas. Vincent Kompany, le genre de défenseur qui vous stabilise une défense, un joueur extrêmement puissant et surtout très calme. Ou juste Memphis, ça peut être bon si juste Memphis. Ouais, je crois que je vais juste dire Memphis. Memphis. Payet. We've got Payet. Payet. Zlatan. Payet encore. Payet a vu Pogba. Allez, Pogba. Allez, Pogba. Prends la balle pour moi. Et l'attaque va s'arrêter là. Gundogan. Allez, il faut récupérer le ballon, il faut aller marquer. Attention, il a du champ devant lui. Voyez la passe. Ça profite à Manchester City, la votre fessier de jeu. Oui, c'est bon, bien. Bien récupéré par. Smalling ou Bailey, un des deux. Allez, il faut reprendre le ballon, vous allez marquer. Oui, Smalling, c'est beau Smalling. Ciao. Memphis, Payet, Herrera. Mkhitaryan, allez Mkhitaryan. Faute, grosse faute, carton. Carton jaune, minimum. Dégagé
prennent leur temps, ils posent le jeu. Ils le sentent très bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Allez, reprends ce. Non, 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 ça c'était pour vous. Oh, ok, il n'y a même pas, ce fleuri. Ça aurait été carte en jouant tiré. Allez, récupère, le ballon. Merci, Dédia. Attends, Mkhitaryan. Mkhitaryan, Pogba. Pogba, Mkhitaryan. Payet, Pogba, Herrera, Depay, Pogba, oh, wow, Pogba, boum. Non, 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 ça va pas se passer demain. Oui, Bailey, c'est beau, Bailey. Ok, c'est la mi-temps et on perd 1-0 contre Manchester dans le Manchester Derby. Je crois que je vais faire des changements. Je sais pas, j'ai besoin de plus de vitesse en attaque, alors peut-être que Zlatan va sortir pour Rashford. De Memphis, ici. Dimitri Payet, putain de tir, oh, bel arrêt de Bravo. Et oui, De Bruyne est blessé. Alors c'est bien pour nous, mal pour eux, parce que c'est un de leurs meilleurs joueurs. Non, je l'ai dit de repasser à Payet. C'est dernière consigne au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Fernando. Il s'avance vers la surface. Allez, Smalley. Comment Smalley? Et ce ballon qui traîne. Elle la voilà, la frappe. Et c'est 2-0 pour Manchester City. Malheureusement, un autre but de Manchester City. Ah, Gundogan encore, deux buts de Gundogan. Il est bon. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Luke Shaw, Payet. Non, je vais penser à Pogba, mais c'est pas grave. Pogba. Herrera, non, non. Comment c'est un tir raté? Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus de demi-heure à jouer. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Allez, bon tacle. Yes, c'est sorti. Ok, là je vais faire un changement là, parce que là ça va vraiment pas bien en ce moment. Alors, Payet en MOC, Pogba là. Pogba Herrera. Rashford. Rooney. Non, je vais mettre Payet là. Ou non, Rooney là. Payet là. Rooney arrive aussi. Et on remet Herrera. Et on met Fellaini. Oh non, je vais regretter d'avoir mis Fellaini, mais je vais quand même le mettre. Si Fellaini pourrait faire la différence avec sa tête. Manchester United à l'attaque. C'est beau, Payet, oui. C'est quoi, en fait? Fellaini. Fellaini? Oh mon dieu, finalement, je regrette pas d'avoir mis Fellaini. Juste avant de le mettre, je dis, je vais sûrement regretter. Première fois qu'il touche le ballon. C'est un but. Merci, Marouane. Fellaini. C'est 2-1. Est-ce qu'on a encore des chances de rattraper, de peut-être même gagner le match? Pour vrai, ça m'irait une nulle. Assist de Rooney, je crois. Alors les deux qui rentrent ont des assists, c'est soit Payet ou Rooney, mais je crois que c'est Rooney. Ok, Agüero est sorti, et je crois Iheanacho est rentré, ouais. Alors, les deux équipes ont ôté leur gros, leur bon striker pour des jeunes. Oh mon dieu, c'est 3-1. Si c'est encore Gundogan, je lâche. Oh mon dieu, c'est encore Gundogan. Troisième but de Gundogan, puis trois super beaux buts. Il y a un problème avec cet enfant-là, hein. Il y a des trop bons tirs. C'est n'importe quoi, check ce tir là, c'est contre DJ, là, c'est pas contre n'importe qui. 3-1. Allez, Fellaini. On va voir si toi aussi tu peux être un good again. Rashford. Oh mon dieu. Ok. Rashford.
Rashford. Ok, c'est bon. Ah, c'est vrai, c'est plus d'atteinte, je vais pas centrer. Fellaini. Rooney. Non. Fellaini blessé. Je l'ai rentré 5 minutes plus tard, il se blesse. Oh non, il s'est relevé, c'est bon. Transfert confirmé, Marcelo à Juventus. Ok. Oui, Fellaini, belle passe. Rashford. Ça part bien, action dangereuse. Allez, pour revenir à but. Oh mon dieu, comment j'ai raté ça? Pourquoi Fellaini est là-bas? Moi je veux que tu sois plus là pour faire la tête. Oui, sur la ligne là. Oui, le relais. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. La bonne interception. Oui, mais relais, ça peut être trop dangereux. Pogba. Pogba, Rooney. Rooney, c'est bon, 3 à 2 pour Manchester City encore, mais c'est un deuxième but marqué pour Man U. Est-ce qu'on a le temps d'en marquer un troisième? J'espère, tant que Goodega ne prend pas le ballon. Sinon, il va marquer un autre but. Les deux buts ont été faits par deux remplaçants, enfin que mes changements ont porté fruit. Ok, oui, Payet. Rashford. Il manque juste Rashford pour marquer, puis tous mes remplaçants ont marqué. Fellaini. Pogba. Oui, Rooney. Encore Rooney. Rooney encore. Non, c'est raté. Mais presque. Oh, Rooney. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Allez. Allez, il faut reprendre le ballon. Passe en profondeur. Ce ballon qui est intercepté. Ouais, bien joué. Le tir. Ok, on a fait. C'est sur cette fin de match que je vais arrêter le live. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un like et merci d'avoir écouté le live et ciao.